Ce programme vous est présenté par Auchan, formateur de paysans. Et on est de retour sur le plateau de 46 000% sport. C'est déjà la 20e édition. Le chiffre 20 est un chiffre qui me tient à cœur car c'est la taille de manche de mon pote Franck Esposito que l'on salue FE sur les réseaux sociaux émission. Le football à l'honneur ce week-end avec le match entre Saint-Étienne et Lyon. Il y a eu des violences sur le terrain et en dehors, mais ce n'était rien par rapport à ce qui s'est passé sur le stade de l'ASM. Il y a eu des violences. Reportage. Ce qui devait être une fête pour petits et grands a viré au cauchemar. Le derby entre l'ASM et le FC Visiteur a été interrompu par le COP ultra-nationaliste de l'UFFS, l'Union Française pour une France de souche. Attendez gueule, putain, la vache, là. Oh, Ching Chong. Va bouffer du riz avec ta petite queue, Bruce Lee. Et mon père, là, il était là. Mon père, il était d'ici. Mon père, il était roi, il était roi, mon père. Sans commentaire. Pour les énergumènes susnommés, la sanction est tombée. Ils sont interdits de goûter à vie. C'est la moindre des choses. On va continuer à parler football. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est également PSG Barcelone. Alors, sexe, football ou football sexe, on va en parler avec monsieur Manu Anse de Grès, coach en séduction, mais pas que. Salut Manu. Salut Dim. Je peux t'appeler Manu ? Bien sûr. Attention, charme et séduction. Merci à toi. Je te renvoie le compliment. Je suis passé au Jardin des Plantes la semaine dernière, je t'ai pas vu. J'étais pas. Ok, alors sur le plateau, donc Manu, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr. Manu Anse de Grès, je suis séducteur, coach en séduction. C'est vrai que moi, j'aime deux choses dans la vie. J'aime les femmes, croqueur de femmes, voire on m'appelle aussi le chien d'aleux. Yes, croqueur de femmes, le hit que t'as fait il y a 10 ans déjà. On se l'écoute ou pas ? Avec plaisir. Yes. Je croque des femmes, je croque des femmes, je croque des femmes, je suis un croqueur de femmes. Yes, très gros hit. Waouh. On peut parler de ton DVD ? Et j'ai donc sorti un DVD qui s'intitule « Trois astuces ». Trois astuces. Des petites techniques, des petites méthodes simples qu'on peut faire à la maison pour allier plaisir des femmes et plaisir du football. Et ben alors, on va regarder un extrait. Question mystère juste après. Avec plaisir. Ok, extrait. Ah, le plastique. Bonsoir messieurs, et surtout mesdemoiselles. Astuce numéro 1 pour allier Saint-Valentin et football, le coup du bandeau. Ah, voilà, c'est bien serré. Alors pour la Saint-Valentin, ma chérie, petit jeu, tu dois deviner quels sont les aliments dans l'assiette, sans regarder. On tient tout net. Ouais, t'as le temps, t'as 45 minutes, après on fera une petite pause de 15 minutes, tu donnes la réponse et après t'as encore 45 minutes. Ok, superbe image, on va passer à la question mystère. C'est parti, tu connais l'émission, je crois, tu la regardes. Bien sûr, c'est très très excitant. On sort le piano, tu connais, je vais actionner la touche, tu vas devoir reconnaître le son. C'est parti. Natacha. Je te le remets. Voilà, je m'en souviens comme si c'était voilà, hier. Tu t'en souviens ? Je te remets un peu juste pour le plaisir. Ah, c'est du plaisir, c'est du plaisir auditif, ouais, j'adore. Alors, on va enchaîner. Thierry, plus viril, hein. Ouais, ouais, viril mais correct. Attention, alors celui-là est un peu plus complexe. J'ai besoin des deux mains. Mathieu, Cassandra, Ludivine et Romuald. Avec, en fin de soirée, le chien Titi. Voilà. On va reposer, si tu le veux bien, ce petit piano. Alors, j'ai envie qu'on passe un petit peu de temps à parler de ton joyau, ton DVD. Comment t'es venue l'idée de ce truc? Alors, c'était un lundi matin. Et... Oh, attends, c'est Alain Top qui est en direct du tournoi des 6 nations. Ça, c'est énorme. Il est au cœur de la mêlée. Oui, Dim Crack, je suis dans la mêlée. Il fait très chaud ici. Arrête. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'Alain est écrasé comme une crêpe. Crêpe sarrasin ou crêpe sucrée? On va enchaîner très très vite. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le bandeau par rapport au premier extrait? Si on n'a pas de bandeau, il y a des solutions comme par exemple la solution du pique-nique. Ah. Si on a un petit panier, une petite nappe ou même un saucisson français, ouais. J'ai envie de vous laisser montrer les images. 3, 2, 1... Deuxième astuce, l'astuce du pique-nique. On est pas bien là? Ouais, grave. Ça rentre tout ça. Tu prends un petit jambon, tu sais ce que c'est. Ah, voilà. Ou alors éventuellement. Ah, oh. Rabiot. Voilà, on joue. Est-ce que tu veux un petit peu de champomie? Alors, on va aller plus loin encore dans ton DVD. On va voir le troisième extrait tout de suite. Alors, ça me pose un peu problème si on montre la troisième astuce, puisque mon DVD s'appelle 3 astuces et on va donc montrer l'intégralité de mon DVD. Donc, voilà, je préfère qu'on le garde pour la maison parce que moi, j'adore la thune. Ah, voilà. Attends deux secondes, ça part en appel. Ouais, Youssef. Youssef Défense qui est notre expert en bagarre. Ouais, Dimitri.
Il s'avère qu'ici le moral est en berne. Je me suis procuré le DVD du susnommé Manu et l'application de ses conseils a engendré une procédure de divorce entre ma femme et moi-même. Nous venons sur le plateau pour réclamer des dommages. On va te défoncer. Ah merde, je dois y aller moi, j'ai un truc à faire. Non, je vais y aller. Reste ici, je te dis, je t'invite. Je te fais le plaisir d'être invité, tu te poses. En plus t'as un beau cul. Donc tu poses ton cul et tu restes. Alors, je vois que t'aimes le cul. Yes. Et ça me plaît. Voilà pourquoi je vais te montrer une petite astuce supplémentaire, une petite astuce bonus pour tous les gens qui ont à la maison une cravate. Eh bien, il suffit de la mettre sur les yeux, de la disposer sur les yeux et de faire un petit nœud de chaise pour tous les gens qui sont un peu marins. Mmh. Et moi, je vais simplement aller en régie. J'arrive. Et en attendant le retour de Manu, on va enchaîner très très vite avec le judo. La nouvelle pépite Guy Monod, à la fois judoka et styliste, on connaît son style, c'est un reportage. C'est un 16e de finale compliqué pour la nouvelle coqueluche du judo français Guy Monod. En effet, le jeune prodige lensois affronte la brute grecque Brolikis, qu'il avait déjà affronté à Göteborg l'an dernier, on s'en souvient encore. Après un début de match extrêmement tendu entre les deux hommes, les esprits s'échauffent doucement mais sûrement, au point de voir partir Guy Monod dans les vestiaires. Ce qu'il se passera dès lors derrière la porte restera du domaine du privé, car après tout, qui sommes-nous pour les blâmer ? C'était des images de judo. Alors que là, ça part en appel, c'est Youssef Défense en visioconf. Laissez-moi partir ! Oui, Dimitri ! Nous avons intercepté le déserteur qui fuyait votre plateau. Ok. On va enchaîner très très vite avec le tweet de la semaine. Tout de suite. Ok, c'était un plaisir. Sinon, on va demander à tout le monde de venir sur le plateau. Youssef Défense, entre autres. Lâche-moi, putain ! Manu, tout le monde est là. Tu me touches pas comme ça, oh putain là, il s'est fait casser la figure. Ça arrive à tout le monde. On se retrouve très très bientôt. Et moi j'ai des potes, ils vont vous démonter. Hey, j'appelle Sébastien. Ah. Sébastien et Claude. Sébastien Robert ? Oui, putain. Putain, on a le même pote. Mais c'est excellent, frère.